Bonjour, monsieur Corbier. Vous voilà enfin. Ça devait bien se terminer, non? Ouais. Laissez-moi juste encore un petit quart d'heure. Ce sera bientôt fini. Pour ça que vous avez couru jusqu'ici? Je pouvais pas rester avec ce sentiment d'inachevé. Je sais bien que vous comprenez pas. Mais... sans une belle fin... ça n'a pas de sens. Vous avez pris beaucoup de risques, Eric. J'admire votre force. Merci. Mais, dites-moi, par quel miracle... Miracle, non. Beaucoup de patience, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, interminable. Et puis on est interrompu par une alarme. Et on creuse pendant beaucoup d'années, de sueur, d'obsession. Un tunnel à la cuillère n'est pas bien grand, mais bien assez pour un homme décidé. Je rampe, je suffoque et je suis libre. Vous savez, le plus dur n'est pas de sortir. Il faut être discret, mais il ne faut pas laisser de traces. On doit combattre la faim comme on peut. Mais, même courageuse, les forces vous quittent. Et on s'effondre. Eric ? Eric, réveille-toi. Eric. Vite, dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Je reviens pas que tu sois venu. Attends, ressaisis-toi. Bien sûr que je suis venue, c'était le plan. Allez. Bien sûr, excuse-moi. C'est juste de te voir là, comme ça, si belle. C'est... mon amour. Je te laisserai plus jamais partir aussi loin. Allez, viens vite. J'ai trouvé une voiture, on va pouvoir s'en aller loin d'ici. Je suis si contente. J'ai passé tellement de temps à attendre. T'inquiète plus, je suis là maintenant. Tu m'as écrit un nouveau poème? Le plus beau, c'est certain. Vraiment? Il a toute ton énergie, mais j'y ai mis ma patience. Il a ta beauté infinie, et mon amour l'a apprivoisé. Ton souvenir lui a insufflé son ardeur. J'ai hâte de le lire. Il a l'air parfait. Pas parfait. Rien n'est parfait. Sans une belle fin. Je pensais qu'il fallait que je sorte, que je te retrouve et tes caresses guideraient ma plume. Tu as vu? C'est magnifique, n'est-ce pas? Là-bas, nous pourrons être ensemble, tous les deux, pour toujours. Personne ne nous reconnaîtra. Tu es content? Si je comprends bien, vous n'avez pas accepté de partir avec elle. J'ai pas pu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Une si belle femme, votre source d'inspiration, qu'est-ce que vous avez fait, Eric? J'ai dit non. Ne jamais dire non à une femme, encore moins une si belle femme. J'avais mon poème à terminer. Je voulais le finir. Encore deux vers, juste deux vers. Pourquoi tu t'en vas? Eric, me laisse pas. Arrête. Comment oses-tu m'abandonner? Qu'est-ce que tu fais de notre rêve? Mon cœur, me laisse pas, je te supplie. Arrête. T'en as trouvé une autre, c'est ça? Bah, dis-le-moi, Eric! Barbara, pardonne-moi, mais je dois le finir. Je dois finir ce poème. J'ai plus le temps. We'll be right back.
avez couru de toutes vos forces pour vous jeter dans la gueule du loup. Vous n'avez pas compris. Je courais vers une libération. Vous deviez courir pour écrire ces deux vers de la liberté, c'est ça? Vous êtes un homme si plat que c'en est presque beau. Si je comprends bien, vous avez travaillé votre évasion. Vous avez creusé avec une petite cuillère pour retrouver celle que vous aimiez. Elle vous attendait, belle et jolie, prête à aller au soleil avec vous. Et vous êtes revenu vous asseoir sur cette chaise pour écrire deux vers d'un poème. Regardez, voilà ce qui me manquait pour les écrire, ces deux derniers vers. La beauté à l'état pur. Allez, maintenant, on rentre.